Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien. Arturia a travaillé ardemment pour nous sortir une interface absolument magnifique qui s'appelle AudioFuse 8 Pre. Cette interface peut fonctionner de manière soit indépendante reliée à votre Mac ou votre PC par USB, soit devenir l'extension de votre AudioFuse pour ajouter 8 entrées, 8 sorties à celle-ci. Mais ça fonctionnera également avec toute interface audio utilisant la norme ADAT. Première chose, bien sûr, nous allons déballer cette interface de son bel emballage, car comme d'habitude, Arturia fait les choses bien. Des explications ici pour mettre l'interface en deux modes, soit desktop ou rackable, vous allez le voir tout de suite. Deux bons câbles USB qui sont ici, l'un USB-C vers USB-C, et l'autre câble qui est USB-C vers USB. Alors, petite explication, l'interface utilise un connecteur USB-C, mais utilise un contrôleur USB standard. Je vais trouver mes deux pattes de rack pour mon interface. Ici, l'alimentation. Et petite chose très intéressante, on va le voir tout à l'heure au montage, c'est que c'est une alimentation à verrouillage. On va la visser au châssis et donc elle ne pourra pas s'arracher par inadvertance. Je vais donc trouver la visserie et même la petite clé Allen permettant de visser tout ceci. Ici, bien sûr, n'oublions pas une belle petite enveloppe de présentation dans laquelle, alors, on ne les perd pas parce que vous allez trouver vos codes d'enregistrement vous permettant d'avoir accès à vos programmes en téléchargement et d'enregistrer le produit, tout simplement. Bien sûr, ici, tout est écrit en anglais, mais rassurez-vous, en suivant le lien marqué dans le descriptif, vous pouvez télécharger la même chose en français. En allant sur le site, vous trouverez également la notice détaillée de l'interface en français, ainsi que la notice de l'AFCC, AudioFuse Control Center, qui est le logiciel fonctionnant avec cette carte qui lui-même est parfaitement détaillé en français. Avant de détailler l'interface, nous allons tout simplement la monter avec ses pattes de rack, etc. et installer sur l'ordinateur prêt à fonctionner. Ça y est, ma belle interface AudioFuse 8 Pre est maintenant montée et là, je l'ai montée en mode rack. Alors, pourquoi ? Il y a un autre mode ? Oui, bien sûr, le mode desktop. Dans ce cas-ci, je vais pouvoir opter pour tout simplement retourner les pattes de rack comme ceci et que l'on peut rajouter et visser ici deux pattes arrière, ce qui va me permettre tout simplement d'avoir une interface positionnée sur mon meuble comme ceci, avec même un peu d'espace dessous pour pouvoir ranger éventuellement des petites choses. Maintenant, juste avant de la brancher à mon ordinateur et de pouvoir commencer à travailler avec, petit survol rapide de l'interface. La façade, donc, je trouve sur la façade deux entrées combo XLR jack qui font appel aux deux premiers préamplis Discrete Pro. J'insiste vraiment parce que ça fait vraiment la différence. Et après, je vais trouver mes 8 contrôleurs permettant les 8 gains ici, permettant de contrôler les 8 préamps, puisque le reste va se passer à l'arrière de l'interface. Ici, j'ai deux boutons qui vont me permettre de choisir un, la fréquence, et l'autre, le mode. Le mode, c'est soit bien sûr USB, si je fonctionne en tant qu'interface audio reliée à mon ordinateur, et le deuxième, c'est le mode ADAT, si je viens mettre cette carte en extension d'une autre carte, tout simplement. À l'arrière, si je regarde maintenant de ce côté-ci, je retrouve mes deux entrées qui sont en façade. Pourquoi ? Quand je suis en rack, en général, je câble tout à l'arrière. Mais là, j'ai un ami guitariste ou un bassiste qui vient et qui veut s'enregistrer. C'est beaucoup plus pratique d'aller se connecter directement en façade que d'aller chercher derrière le rack pour aller venir se brancher quand tout est pré-câblé. J'ai également sur ces deux premiers canaux un insert. Ce sont des inserts analogiques et qui fonctionnent avant la conversion analogique numérique, donc avant le convertisseur. Je vais trouver après mes 6 autres entrées combo, donc j'arrive bien à 8 entrées. Ici, mes 8 sorties qui peuvent fonctionner soit par paire stéréo ou en tant que sortie indépendante, et derrière, 2 autres supplémentaires qui sont bien sûr mes sorties speaker, ce qui me fait en gros 8 entrées, 10 sorties. Viennent s'ajouter à ceci des entrées-sorties word clock en format BNC, ici, et ici,
on voit les entrées et sorties fibres. Donc, deux entrées à date, deux sorties à date. Pourquoi deux? C'est tout simplement pour permettre de faire ce qu'on appelle du SMUX, c'est du multiplexage, qui va me permettre de pousser la norme à date, non pas à 16 bits 44, mais de passer à 96 kHz. Et pour ça, il faut deux câbles. Donc, dans ce cas, si je veux travailler en 96 kHz, avec deux interfaces, je brancherai deux câbles à date. Et pour finir, le connecteur USB-C qui est ici, je rappelle, c'est juste un connecteur, ce n'est pas un contrôleur USB-C, puis la prise d'alimentation avec un système de vissage. Je vous propose maintenant de la connecter à l'ordinateur et de continuer la procédure d'installation. Mon interface est maintenant connectée à mon ordinateur. Je vais suivre rapidement la procédure d'enregistrement et pour installer également les logiciels, car il n'y a pas besoin de pilote. C'est une interface utilisant des pilotes classe compliante, c'est-à-dire qu'ils sont déjà intégrés dans le système, aussi bien pour Windows que pour Mac OS X. Je vais donc entrer l'adresse marquée sur le fascicule, donc arturia.com/audiofuse8pre-start, et j'appuie sur Entrée, et j'arrive sur la page de mon AudioFuse ici, où j'ai effectivement d'ailleurs les explications pour pouvoir enregistrer mon produit. Et première chose, regardez bien sur l'interface, il me propose tout de suite de télécharger l'ASC qui est là, qui est le Arturia Software Center. C'est un peu le logiciel qui regroupe toute la gestion des autres logiciels Arturia et qui permettra de gérer les mises à jour automatiquement. J'arrive ici et je vois le download l'AFCC, donc l'AudioFuse Control Center, qui est le logiciel qui va gérer mon AudioFuse. Donc voilà. Ici, ça télécharge, mon logiciel est téléchargé, je vais, bien sûr, l'idéal, c'est d'enregistrer le produit, donc je vais enregistrer mon produit sur la page de registration qui est ici. Si vous avez déjà un compte, rentrez les paramètres de votre compte, si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir créer un compte Arturia, c'est très simple. Je viens maintenant enregistrer mon produit, tout simplement, en rentrant le numéro de série et le unlock code. Ça, c'est très important. Ne perdez pas ce papier, le numéro de série est bien inscrit sur l'appareil. Mais le unlock code, on ne le verra que sur cette carte ici. Une fois que vous aurez enregistré votre interface, vous pourrez la trouver ici. Et là, vous pourrez trouver tout ce que vous avez déjà en votre possession chez Arturia. Je reviens sur mon AudioFuse 8 Pre. Et ici, quand je clique sur « Download », j'arrive donc sur la page correspondant à mon interface et qui m'affiche clairement ce don auquel j'ai droit pour celle-ci. Car l'AudioFuse, ça c'est la très bonne nouvelle du jour, est livré maintenant avec ce qu'on appelle l'AudioFuse Creative Suite, qui est une suite logicielle de toute une série de plugins et logiciels livrés avec, qui vont vous permettre tout simplement d'optimiser vos prises, d'améliorer vos mixages, etc. Voilà, j'ai maintenant téléchargé l'AudioFuse Control Center, pas besoin de pilote, je le rappelle une nouvelle fois. Donc c'est tout simplement normalement prêt à fonctionner. Petite vérification, c'est que quand j'appuie sur le petit bouton Arturia ici, qui est maintenant un bouton Power On, Power Off, pour l'allumer ou l'éteindre, quand j'appuie dessus brièvement, ça m'affiche directement l'AudioFuse Control Center. Alors, regardez bien l'interface, elle est très soignée et vraiment très simple, puisque je vais pouvoir choisir ce que je visualise ou pas, catégorie par catégorie, puisque j'ai la partie entrée, la partie monitoring pure et la partie analog out, où bien sûr je vais pouvoir les définir, mes entrées, mes sorties, où est-ce que j'envoie les signaux, le réglage de mon queue, bien sûr, ici. Je vais cacher pour l'instant mon AudioFuse Control Center et je vais lancer Studio One. Voilà, donc là j'ai une session qui est quand même, comme vous pouvez le voir, assez chargée. Il y a du monde dedans. Et surtout, j'ai réglé la latence à 32 samples, qui est la latence vraiment la plus courte que l'on puisse demander et que peu de cartes arrivent à supporter avec des sessions de cet acabit. J'appuie sur Play, tout fonctionne à merveille. J'appuie sur le bouton A de l'AudioFuse, ça me permet d'afficher mon AudioFuse Control Center, ça me permet de contrôler mes signaux, mon mixage et autres directement dans l'interface. Je referme le bouton et donc ici, tout fonctionne bien. Je vais essayer un petit jump dans le titre. Ça recale instantanément. Je rappelle, je suis à 32 samples, donc il n'y a absolument aucun souci. OK. Je vais prendre un logiciel un petit peu plus lourd que Studio One. Je vais prendre Logic Audio, qui étant un peu plus lourd, on va voir comment il va supporter la charge. Me voici donc dans Logic. Pareil, vérification, audio. Et comme je vous le disais, je suis bien à 32 samples, hein, soit au minimum
de ce qui est supporté par ce logiciel. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une session qui est également assez cossue, mais de plus, j'ai ici de la synchro vidéo, donc ça va tirer encore un petit peu plus sur le processeur. On regarde tout de suite si ça réagit bien, et ça se passe à merveille. Même chose, je vais pouvoir ouvrir l'AudioFuse Control Center, voilà, donc ok, tout fonctionne, je relâche, ma vidéo tourne, avec bien sûr le multipiste derrière. Et il n'y a absolument aucun problème. Pour terminer, je viens de connecter une deuxième AudioFuse 8 Pré à la première via les ports à date, comme vous l'avez vu. Donc j'ai fait une entrée, une sortie, c'est-à-dire que là je vais me limiter à 48 kHz. La deuxième interface, il m'a suffi d'appuyer pendant 3 secondes sur le bouton mode pour basculer du mode USB au mode à date. Mon interface est maintenant détectée. Je vérifie, je lance Logic et je vais regarder dans son mix comment ça apparaît. Voilà, je reviens de lancer Logic et la session que j'avais tout à l'heure. J'appuie sur le play, bien sûr, tout se lit et je viens regarder vite fait dans le mixage. Et ici, je vais bien voir apparaître, si je vais sur mes entrées, j'ai bien du coup 16 entrées, j'ai les numériques qui apparaissent en plus, c'est pour ça que j'en ai 18 ici. Et de même que le routage pour les sorties, je trouve bien mes sorties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, où là on sera en situation studio, et on ira vraiment beaucoup plus profondément dans cette carte, aussi bien au niveau des routings, des tests des préamplis, etc. À bientôt.